Baninga tengwe kokie Papi gene tolo de la vie Mokote kwensi kweo tolo de la vie Mwabalo binini Papi gene tolo de la vie Veux dire tolo de la vie Tolo de la vie Avec ces pela TV, besoin coûte au kim abanyongo exacté. Pour épan abiso nyongo ezalaté, ça peut faire un mois qu'on foutite, foute 15 livres na auto pelicio. Ça peut faire 6 mois qu'on foutite, foute 15 livres na auto pelicio. Même plus de 1 an, soit c'est plus de 1 an, non, on foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comment tu nous maman, comment tu nous papa. 15 livres à pamba, pour rétablir service non. Et je te dis au revoir na andako, au revoir Kabilinga, c'est pela TV. Bienvenue dans tolobelavie.com et tolobelavie.fr. Bienvenue encore dans tolobelavie TV. Wane Zali, toujours Bisso, c'est notre identité. Merci beaucoup à Washington, le grand pays de Munich. Un grand merci à Alvaro Moins, le prince de la paix. Merci, merci encore. Chez Sim, c'est Bisso, na Bisso. Papi Le Wakart, illimité, formule la Souka. Merci. Merci encore à AFMAKET, agence Oyo. Il y a Ndekona Bisso. Jean-Luc Matobika, hein, Jean-Luc Matobika, vraiment, agence Oso qui au Tché et l'Oko, n'hésitez pas, comment ne pas citer, toujours c'est la précision, mon sous agence, il y a un déconnexion Jean-Luc Matobika, Sokotin de l'Oko, vraiment, Ekomaka. Et merci encore à Bileko qui est mon parti, Gaz na Gaz, Bileko qui est mon parti, Bandekonio, Sokotin, c'est lui, vraiment confiance, merci à vous, merci parce que tout ça, Moussala Oyo, Kakapon Abino. Donc, on est au bac à vous informer, c'est notre souci au Tozaranango. N'hésitez pas, ceux qui ont moni le Kambumoko, Benga Bisso, Komela Bisso, Tozarana pour la critique et Tozarana pour la nyoso. Alors, merci beaucoup d'avoir abonné à Bisso, de Tozakoloba chaque fois. Abonnez-vous encore massivement parce que Moussala est belé, Moussala est Bengi Bisso est belé. Il faut Tozala Moussala. Voilà. Actualité oblige, Yalelo. Toza na makambo ebele ya koloba moi ebele ya koloba mais biso to koloba te ba vidéo de koloba na place na biso donc to proposer bino quelques vidéos bon mona je crois que ba vidéo de koloba vraiment mini mini na place na biso nanga loba nini to kendaki na Luxembourg. Tobeta qui tourne à Luxembourg. On était invité au Luxembourg. Et pas il y a Bandeko Kuna. Alors, ces jours, on a vu sur les gars qui bien, très bien. Merci encore à Bandeko Nyoso. Vraiment, il y a un mec qui est sur Luxembourg. Ces jours, les gars qui bien, 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 bien. Bandeko Tokuta, il y a un terrain et tout, 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 tout. Mais, Luxembourg, moi, comment on est. Mouké, Mokamo Kitoko, mais il y a des problèmes sérieux. Après, on a bien un Soso Pembe. Où il y a aussi la thé, où il y a la communauté congolaise depuis la nuit de temps. Le problème, il y a un problème nini. Problème, il y a l'église. On a évité. Ceux qui battent le lobby, oh, baza koloba, baza lobe l'église, baza lobe, non? Bisso, tout a besoin, batou, va changer. Soit disant les serviteurs de Dieu, va changer. C'est-à-dire, Moussa, on a vu ce zate pour na, tout pekisa batou, tout télémé la bassin l'anza beno, tout télémé la, bah faux. Ce qu'on a vu, c'est faux, l'inga biso dit. Tu as vu faux. Alors, moi, je suis allé à l'Oba-Loba-Loba-Loba-Mingue-Zate. Tant que je suis à Luxembourg, je suis allé à l'Oba. Je suis allé à Masolo et je suis sur place. Masolo est allé à Masolo et Yaba et Tonga. Masolo est à l'église. Je suis allé à l'Oba. Je suis allé à tu souffres trop. Je souffre pour la nuit. Non, il y a un pasteur ici. A sala kaboye, kuta bimagana basi ya batu, kutu akabola mabala, kuta bimagana baser moko boy. Ba pesi biso journal.
journaux va passer qui biso et ça ça dit tolo ta qui a monté ma camba comme la journaux en a tous yu en go nanzela te tous yu en go na Luxembourg pour ne pas n'a ni bolin bad balo ba vérité pourquoi alors tous ongi na Paris tous à l'émission Nenge Zala qui fait tout ça là, écoute une émission, tu le bas écoute bien t'es. Parce que je vois tout ça, il y a ma fatigue, ma voyage et tout. Mais après, na retour, pasteur a sali vidéo. Pasteur a sali vidéo, à l'obini ni la vidéo, wana, na zana belemana, donc là je vais vous proposer aussi pour Landango. Pasteur a l'obini que non, il va nous porter plainte. Il va nous porter plainte. D'abord, je vais d'abord vous préciser, moi, le roman, que beaucoup de saraté, ce que vous avez dit, c'est que nous avons porté plainte, nous avons porté plainte à Moutakalata. Je crois que nous avons porté plainte, sans un avocat, avocat, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons un avocat. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que alors, les prophètes, il y a moi le prophète mandaté et tout, à Kombonyo Sovana. Les prophètes ont dit il va nous porter plainte. Il a évité ceux qui ont porté plainte contre. Il a évité ceux qui ont plainte en haut. Ils ont diffamation, tout ça. Ils ont dit il a évité. Alors, il a dit non, il va nous porter plainte pour tout le temps que Kombonyo aille. Pour le temps que Kombonyo aille. Na Matambo Oyo. To Yokaki na Luxembourg. Alors. Tu oses la plainte, mais na considérant que tu oses la plainte, de Barbaranzamba là l'a raté. Il y a une sœur en Okombo Naye, je crois, elle s'appelle la sœur Patricia, je crois. Et la sœur n'est pas congolaise. Sœur Aza du groupe africaine Kakame, voilà. Sœur a sali vidéo Moko, Alobi, est-ce que Tout ce que ces gens-là ont dit, est-ce que c'est faux? Et la sœur posait la question au pasteur. Albi, tout ce que Batoua Balobi, est-ce que c'est faux? Avant de porter ces gens-là plainte, commencez d'abord à me porter plainte, moi. Ça, c'est la sœur qui dit. Là, c'est la sœur. Albi, porte d'abord moi plainte. Tu portes d'abord plainte contre moi. Et j'ai un dossier lourd. On a déclaré la sœur. Alobi, Azan a un dossier Mokoza lourd pour na pasteur. Et je crois que la sœur a 24 ans. Elle a 24 ans au Luxembourg. Elle a fait 24 ans. Ma Kamboko tout sœur Alobi, c'est lourd. Qui est au bisou le bagui. Mais le pasteur a dit, ils vont porter plainte. Alors, dans ce cabinet, le bon Sikoyo, pasteur, au Yolobaki, qui va nous porter plainte, Bolanda pasteur, Boyo, comme un pasteur à l'obi, après, Nakotia la binope vidéo, Oyo, notre soeur Patricia à l'obi, est-ce que Makambo, il y a 30 000 euros, Oya portugais, lui, c'est tel que son ami. Est-ce que M. Zalagi, tant qu'on porte plainte, est-ce que maman est à l'okuta? Et puis, il y a un homme qui s'habille encore une fois dans Luxembourg. Il y a un homme qui s'habille la raté. On en a marre à ma bien. Alors, on a dit qu'il y a un pasteur, promesse ou promette qu'il viendra ici en France pour apporter une plainte. Et puis, à fin du biso, il y a un mal éduqué, un mal élevé. Des temps, trois pasteurs. Nous sommes très bien éduqués. Et puis, nous sommes très bien élevés. Tu te dis, ma famille, moi, est bien. T'inquiète. Tu es là, ma camboyo. Pas pour te nuire, non. Pas pour notre bébé s'église, non, non. Tu es là, moi. Boutique à Bananzam, mais vas-y, tranquille. Tu es là, ma djinda. Mais c'est tout, on travaille. Voilà. Donc, un pasteur, il va nous porter plainte. Aroya va porter plainte. Je voulais dire un mot aux personnes qui me suivent en ligne.
les personnes qui suivent le prophète exaucé Lungu en ligne. Le prophète exaucé est né de nouveau au travers d'un pasteur, au travers d'un père. Et cet homme n'a pas commencé le ministère par effraction. J'ai été et je suis jusqu'en ces jours disciple de mon père spirituel, le révérend Nzita Masamba Alphonse. La deuxième des choses, le prophète exaucé Lungu, je suis né avec le nom de Gigi Lungu. Lungu, c'est le nom de mon père qui est décédé. J'ai reçu le mandat de servir Dieu de ma naissance, pendant que je ne me suis pas converti de ma naissance. Cet homme que vous voyez, c'est un battant, c'est un guerrier, c'est un homme, vous pouvez le sentir dans mes mots, vous qui me soutenez, vous qui me regardez en ligne. J'apprécie beaucoup votre attachement, vos commentaires, votre réjouissance par rapport au travail que je suis en train d'effectuer dans cette nation et partout dans le monde entier. Référez-vous au Seigneur qui avait dit « Vous serez persécutés » parce que lui-même, notre maître, a été persécuté. La Bible dit « Un disciple bien accompli est comme son maître. » Et quand les gens entendent ces passages, ils croient que c'est dans la dimension des bénédictions. Non, c'est dans la dimension de ce que le maître a subi. Cet homme qui vous parle a été ordonné dans le ministère 3 ans après sa conversion. Je me suis converti en 97, j'ai été ordonné au ministère en 2000. Et au jour d'aujourd'hui, en 2018, j'ai 18 ans de ministère et j'ai prêché la parole de Dieu pendant 21 ans. Parce que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu juste 2 semaines après ma conversion, ne connaissant pas la Bible. Je suis marié depuis près de 14 ans, où je sers le Seigneur. J'ai plus de 300 vidéos sur le net, prêchant la droiture, prêchant l'amour de Dieu, motivant les gens pour la réussite. Je parlerai toujours de la sanctification, je parlerai toujours de la foi en Jésus, je parlerai de la détermination, je parlerai de la dimension prophétique, la capacité de pouvoir lire les cœurs de Dieu. Et ces genres de personnes comme nous, qui faisons du bien aux gens à cause de l'évangile, nous avons besoin de vos prières parce que nous sommes combattus par des malfaiteurs, par des aventuriers, par des gourous, par des démons, par des sorciers, par des personnes insensées et mal apprises. Et des personnes qui n'ont pas l'éducation. Amen. Avec l'éducation que nous avons reçue dans nos familles, ça peut se sentir, ça peut se voir par la manière de faire et la manière de parler. Oui. On peut remarquer, un jour, si vous passez au Luxembourg, vous pouvez voir la qualité du travail que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Nous aimons beaucoup vos encouragements, nous aimons beaucoup votre soutien par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Vous qui nous soutenez, en dehors de vous, il y a des personnes qui s'acharnent à nous. Leur joie, c'est que nous puissions arrêter de faire ce travail que nous n'arrêterons jamais. Nous n'arrêterons jamais de faire ce travail noble, ce travail merveilleux qui sauve les gens qui allaient dans les boîtes de nuit. Des gens qui vivaient dans la fornication. Des gens qui vivaient dans les garments. Les gens qui étaient dans la boue du péché. À cause de Jésus-Christ, à cause de l'évangile. Ces gens aujourd'hui sont tout autour, pas d'un homme, mais d'une personne qu'on appelle Jésus. Et si Jacob a pu passer par des animaux pour communiquer une gloire, Dieu passe par des hommes. Exaucé, c'est un fils de Dieu, c'est un serviteur de Dieu et c'est un leader. C'est un leader d'opinion à cause du mandat que le Seigneur nous a donné. Il arrive, nous passons des fois des moments durs, mais par votre soutien, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez, de loin ou de près, en Amérique, en Afrique, partout, en Angola, aux États-Unis, en Angleterre, partout où je suis passé pour apporter la parole de Dieu. Je vois les gens m'écrire, plusieurs personnes sont en train de m'écrire parce qu'ils sont bénis. Et je dirai à des personnes qui me disent, nous avons des problèmes, ils ont besoin de guérison, ils ont besoin que Dieu puisse les visiter. Il y a des dossiers que je ne peux pas traiter en ligne. Une fois, prends la décision de pouvoir te déplacer. Tu payes les billets, tu réserves ton hôtel, tu viens jusqu'ici. Nous nous réunissons les mardis et les jeudis. Tu peux le faire pour Dieu. Nous le faisons pour rendre visite aux gens. Mais tu peux le faire pour ton Seigneur et Dieu va te visiter.
Je crois qu'il y a certaines prières, il faut que tu puisses te déplacer, venir jusqu'en ces lieux, pour qu'on prie pour toi, afin que Dieu puisse opérer un miracle. C'est Dieu qui opère des miracles et il le fait au travers des hommes. Il fait beaucoup de choses en ces lieux. La meilleure manière que les gens cherchent à détruire d'autres personnes, c'est de pouvoir établir des mensonges sur leur vie. Je parle au gouvernement luxembourgeois, en qualité de mandateur et de prophète de Dieu. I am exaucé. I am the king. Je suis celui que Dieu a mandaté pour apporter la parole de Dieu. Je suis français de nationalité. Je suis d'origine congolaise. Je suis venu ici pour apporter la parole de Dieu. Et là où je suis, avec les mandats que Dieu m'a donné, la crainte de Dieu et la parole de la vérité, je ne lâcherai pas la prise. Je vais aller jusqu'au bout avec cette mission. Parce que je sais le Dieu en qui j'écris. Et à vous, peuple de Meias, toutes les personnes qui vont atteindre votre pasteur, d'une manière ou d'une autre, votre pasteur maintenant a pris la décision de porter plainte. Je le dis en ligne. Je le dis en ligne. Que toute personne qui va toucher à votre pasteur, je porte plainte. Je porte plainte. Et là, on va aller très loin. L'État va faire sa part. Et nous allons faire notre part. C'est la prière. Il y a un Dieu dans cette nation. Ce peuple réuni ici voient de merveilles de Dieu. Ils voient leur vie être transformée, leurs enfants être impactés, et le diable n'est pas content. Et il passe par de méchantes personnes. Je vais aller porter plainte. Déjà là, je vais porter plainte à la police. Je porte plainte à la police, je vais porter plainte à Paris, et je vais saisir des avocats afin de pouvoir défendre la cause de cette église. Et nous allons aller jusqu'au bout. Comme calendrier que je donne par rapport à cette église, nous avons des grands projets dans cette assemblée. Nous allons toujours continuer à organiser nos programmes, nos conférences, avec des hommes de Dieu puissants comme d'habitude. Et nous avons pour vision de bâtir un temple pour l'éternel. Un endroit de rafraîchissement, un endroit de paix, où les familles viendront se ressourcer et dans cette nation. Étant citoyen européen, je mets le pied partout. Et être citoyen européen, c'est peu de choses. Par rapport à être citoyen céleste. Étant citoyen céleste, tu peux être partout où Dieu te place pour annoncer la parole de Dieu, la parole de la vérité, c'est ce que nous prêchons. Que Dieu vous bénisse. Merci aux internautes qui me suivent. Le serviteur de Dieu, comme vous, vous l'êtes. Tous ensemble, pour le Seigneur, nous irons de l'avant. Nous prions pour vous. Priez beaucoup pour nous. On a besoin de votre soutien par rapport à ce travail merveilleux que nous sommes en train de faire. Et n'attends pas que quelqu'un parle de toi, parce que les hommes parleront toujours du mal de toi. Toi-même, tu dois parler positivement par rapport à ta vie. Ça, c'est la détermination et le langage de David. Et quand tu parles du bien de toi, les gens vont te traiter de tout le monde. Ne les suis pas, parce qu'eux, ils parleront que du mal de toi. Sois une personne très déterminée parce que la cognée a été mise à la racine. Il n'y a plus de temps, nous tenons la charrue, nous ne regardons pas en arrière, nous fonçons. Et lorsque nous fonçons, nous donnons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Voilà. Boza ko mona, boza ko landa biso déjà, batonio so, boza landa biso. Je crois boza ko mona, boza landa biso déjà partout, bo landa biso. Et boyo ki makambo, pasteur à lobby. Mon pasteur à lobby. Des fois, je dirais c'est la honte. Binomo boyo ki. Il a dit Aza naturalisé français, a changé la nationalité. Il est pasteur à une nationalité congolaise, a une nationalité française. Voilà pour tout, on ne trouve pas rien. On m'a rendu un peu à l'obarin où était. Je crois que l'ambi pasteur. Je crois fingi biso grave. Mais biso te fingi yote. Tu es obligé de laisser partir mon peuple. Et l'autre, je suis obligé de faire.
laisser partir mon peuple. Biso fingo tata, fingo pourquoi? Wande on a biso sok mkolo ozonga na côté na biso. En tout cas, vous allez bienvenue. Vous êtes vraiment les bienvenus dans la société de Konanga. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez vraiment les bienvenus. Vous avez vraiment les bienvenus. Vous avez vraiment les bienvenus. Vous avez la sœur Patricia de Nairobi. Commentaire est en route. Tu as un commentaire qui est en route pour les appétits. Commentaire est en route. Tu as un commentaire qui est en route. Tu as un commentaire qui est bien route. Mais si tu as un commentaire, Luxembourg, Luxembourg. Donc, il y a un commentaire. Donc, avant de nous porter plainte, prends d'abord courage de porter plainte à la sœur Patricia parce qu'elle a accepté. Elle a dit, je suis prête. Va d'abord me porter. Va d'abord la porter plainte. Au lieu peut-être de multiplier, bah, français, bélé. À quoi ça sert tout ça? Ça sert à rien. Bah, tu sois, quand ça raconte, si soit bah, français, ndé, ça dit, soit zoté, bah, tu n'as français, ndé. Mon peuple périt. Un peuple périt. Français, c'est une langue comme, comme l'anglais, comme l'union. Merci, la petite merci la pasteur comme vous devez ça. Parce que au moins, on a ajouté à Pesa, la lingala, pour que les gens comprennent. Il y a même comme ça, tu as le bacao. Il y a un hymne national, il faut que la lingala. Aux enfants de la patrie. Bah, y a une nationale là-bas en français parce que ça, français, c'est leur langue maternelle. Bon, bah, beau terme, bah, le baray. Ça dit, mon orona bango. Bah, qu'on crée une nationale là-bas, on a na mon oromo sous des manes. Et donc, en anglais, bah, ça, une nationale, bah, on a lingal. Ah, gaye, bah, comme on le faisait, belé, notre lobaté. Tobano loba. Moi, je crois que même une nationale n'a plus ce faux comme un lingal. Donc, si maman m'a envoyé à côté, Kuna, bah, il va rappeler ça. Congo, Bandele Pinza, Bandele Pina, Debu, Congolais. Aïe, Bineta, tout de bien, aïe, bien, on met la 4 sur la news, tout. Aïe, bien, on dit. Vous venez ici avec des langues françaises pour impressionner les gens. Non. C'est rien tout ça. L'Aksa Batou, l'agneau de Dieu. Je crois même Jésus-Christ. T'as besoin d'aller voter à noter à la française. Ton la seconde, la sœur Patricia. La sœur Patricia, je crois, il y a l'objet pendant dans le poteau. Il n'y a pas l'objet dans le poteau parce que bon, y a, c'est normal parce que Bango, Bango, le bar français, dans Bango, Bango, du début à la fin. Frère Patricia, plutôt sœur, la sœur Patricia Boulimissana, sœur Patricia, a adressé un message à la pasteur Guigui Boulimissana, n'a pas eu de combo, n'a pas eu de combo, parce que mes combos sont bons. Tout le monde, sœur Patricia, comme ça, tous ont. Et Bolivie, comment vas-tu? Soyez bénis, enfants du Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu dans sa bonté, que Dieu dans sa suprématie nous assiste. Nous bénissons Dieu parce qu'il est l'Éternel. Nous bénissons Dieu parce que c'est lui qui fait toutes choses. Et je bénis Dieu parce que j'étais 10 jours dans sa présence, je suis ressorti, restauré, challengé, assisté auprès de mon Père.
on ne peut être que bien, on ne peut être que à l'école du Saint-Esprit. Et nous bénis, je bénis vraiment Dieu qui m'a donné une famille spirituelle, qui m'a donné un groupe spirituel vraiment qui... où je suis vraiment challengé, renouvelé. Je bénis vraiment Dieu parce que à partir d'un certain moment, il fallait que je me déconnecte sous l'ordre de mon Père et que je rentre dans sa présence afin d'être restauré, d'être délivré aussi de certaines choses et de me requinquer parce que le mois de juin était un mois d'alliance. Donc, il fallait renouveler mon alliance avec mon Père qui m'a restauré et je le bénis. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu dans sa bonté, que Dieu dans sa suprématie nous assiste ce soir. Père, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons magnifier ton nom, élever l'étendard de ton nom. Et dis Père, à qui irions-nous, car c'est toi qui es toutes les paroles de la vie. Amen. Nous bénissons aussi tous ceux qui sont élevés en dignité. Que Dieu les assiste dans le glorieux nom de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus le Christ. Amen. Enfants de Dieu, soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis. Au fait, aujourd'hui, je viens vraiment parce que je pense que j'ai quelque chose à dire et c'est quelque chose de très, très spécifique. J'ai vraiment quelque chose à dire. C'était même pas prévu que ce soit, j'allais faire un direct, mais j'ai quelque chose à dire et il est temps qu'on parle parce que la parole de Dieu nous demande aussi de parler. On ne peut pas toujours se taire quand il y a vraiment des injustices qui sont faites et que il y a des choses qui prévaut et ce n'est pas normal. Moi, je dis, je suis un peu comme injusticier, ça veut dire je n'aime pas l'injustice et j'aime bien quand les choses sont établies. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un qui se connaît très bien, qui s'appelle Ezose Gigi Lungu. Voilà. Quand cette histoire a éclaté, j'étais dans la présence de mon père. Je m'étais dit, bon, ça au début, lorsqu'on avait dit que celui-là n'était pas normal, les mêmes personnes nous ont traités de menteurs, donc aujourd'hui, bon, comme c'est entre eux, ils n'ont qu'à faire leurs histoires. Mais ce qui a fait que j'ai changé d'avis et je viens parler, c'est lorsque lui, il a fait une vidéo en voulant, essayer d'intimider les gens et de dire que lui, il va porter plainte. Donc, je veux dire, la première personne à qui tu vas porter plainte ce soir, Ezose Gigi Lungu, c'est d'abord moi. Moi, Patricia. Tu vas d'abord commencer à porter plainte contre moi parce que si jamais on m'interroge sur toi, je ne vais pas te rater. Tu sais très bien que tu es dans mon collimateur, je suis dans ton collimateur. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu as été mon pasteur dans le passé et tu sais très bien ce qui s'est passé et tout ce que les gens ont dit sur la vidéo sur toi, c'est vrai. Le portugais, j'étais là. Comment vous l'avez arnaqué? Comment vous l'avez fait croire qu'il allait être guéri? Comment vous, toi et puis ton acolyte de Lauriane, comment est-ce que vous avez fait croire au monsieur qu'il aura Lauriane et vous l'avez arnaqué plus de 30 000 euros? Il n'est pas le seul. Tu en as fait et tu en as abusé des gens. Même jusqu'à moi, tu en as abusé. Lorsque je voulais sortir de ton église, tu me disais que si je quittais ton église, mon fils allait mourir. Un jour, j'ai claqué la porte parce que tu n'arrêtes pas d'arnaquer les gens et tu as dit que Dieu t'a dit si tu travaillais, tu allais mourir. Alors donc, il n'est pas le seul. Tu as arnaqué beaucoup d'autres personnes. Il y a des gens qui ont fermé, comme on dit, qui ont fermé leur restaurant, qui ont fermé toutes choses parce que lorsqu'on va dans ton église, on ne progresse pas, tu nous dépouilles. Et lorsque tu faisais ton église, je t'ai là. Alors donc, lorsque tu iras porter plainte, moi aussi j'irai porter plainte contre toi parce que tu es un faux pasteur, tu es un charlatan, tu travailles avec l'esprit de mort. Je le parle, je le dis. Peut-être que les autres vont pas oser le dire. Moi, je dis de toi que tu es un petit, tu ne fais pas peur. Et je t'ai dit, tu ne viens pas de Dieu, tu es le fils de Satan, tu es le fils du diable. Je te le dis et je te le redis.
parce que lorsque j'étais dans ton église, j'étais amené des membres, tu m'as séparé avec les personnes. Et c'est cette habitude-là que tu emploies. Aujourd'hui que les choses commencent à se révéler sur toi, tu oses dire que celui qui s'élève, qui porte plainte, toi tu veux intimider qui? Peut-être que tu peux intimider les gens qui ne savent pas qu'ils sont en Jésus-Christ. Moi, c'est sans effet. J'ai déjà fait 2 vidéos, j'avais déjà parlé. Au début, les gens ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui, les choses sont faites. Je te dis une chose, cette personne qui a fait la vidéo sur toi, si jamais il vient m'interroger, je vais lui donner ton dossier comme jamais je n'ai donné ton dossier. Excusez-moi. Il est temps que tu arrêtes tes bêtises. Ici au Luxembourg, tu fais souffrir des familles, tu fais souffrir des personnes. Et lorsque tu vas de l'autre côté, les gens t'acclament. Les gens vont t'acclamer par rapport à quoi? J'ai toujours dit, Ezo, c'est un petit. Tu n'es rien du tout. Tu es un aventurier. Je le dis et je le redis. Il n'y a que Kazarema qui a, comment on dit, qui a fait ta publicité. À cause de ça même, j'ai du mal même à regarder les émissions de Kazarema. Parce que nous, ici au Luxembourg, on te connaît. Tu fais croire à l'intérieur que toi, tu te promènes avec les grands. Tu te promènes avec quel grand? Qui a envie de partir dans ton église? Une fois qu'on va dans ton église, nos familles sont détruites. Tu as failli détruire ma famille. Je sais de quoi je parle. Et ce portugais, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Au début, je ne voulais pas témoigner parce que j'ai dit non, cette histoire-là s'est passée. Mais comme tu as eu le pass de dire que si quelqu'un ose, moi je te dis que moi je vais oser. Moi je vais oser témoigner contre toi, je vais oser. Tu portes plainte contre moi, je porte plainte contre toi parce que tu m'as escroqué. Tu as escroqué mon mari, tu as escroqué ma famille, tu m'as escroqué, tu es un escroqueur. J'ai dit tu n'es rien. Je le dis et je le répète. Je n'ai pas peur de toi. Si tu influences les autres, tu ne peux pas m'influencer. Je suis la seule personne ici au Luxembourg, je t'affronte. Et je t'ai dit tes trucs mystiques que tu vas amener, c'est sans effet, ça va se retourner contre toi. Parce que mon Jésus est plus puissant que toi. Tu n'es rien du tout, exaucé. Je te le dis et je te le redis. J'espère que quelqu'un va partager ma vidéo et tu sauras parce que je t'ai dit que je t'attendais, je te guettais. Je te guettais et cette année, puisque 2018 c'est l'année de l'alliance, donc Dieu maintenant permet que tu sois révélé. Et tu as été révélé où? Dans ta propre communauté congolaise. Je n'ai pas voulu parler, mais c'est parce que tu as osé dire celui qui s'élève. Oh, je te dis, va porter plainte contre moi maintenant même. Parce que je ne vais pas me gêner. Tout ce que je sais de toi, je vais le déballer. Et tu ne peux rien me faire. Ce que le portugais a dit, c'est la vérité. J'étais là. J'étais dans la même église, le pauvre. Il était venu avec la maladie. J'étais là. Je n'étais pas derrière, j'étais là. Vous l'avez dépouillé. Toi et puis ta Lauriane, vous l'avez dépouillé. Au travers de vos vidéos, il y a quelle gloire chez vous? Il y a quelle gloire? Tu ne travailles pas, ce sont les autres qui te payent la voiture, qui te payent la manger, qui te payent la veste, qui te payent tout. Tu es tout en train de nous demander l'argent. Depuis qu'on est dans ton église, quelqu'un pouvait économiser? Quand on est dans ton église, est-ce qu'on peut se marier? Tu casses pas le mariage des gens pour arranger avec tes gars là. Des bandes, des escrocs comme ça parce qu'on ne veut rien dire. Je suis ici depuis 24 ans. Tu poussais les caddies à Paris. Hein? Tu es arrivé ici au Luxembourg, tes yeux étaient gourmands. Tu veux nous dire quoi? Tu veux dire que ce qu'ils ont dit là, c'est faux? Ce qu'ils ont dit, c'est faux? C'est pas faux, c'est la vérité. J'étais dans ton église. J'ai claqué un jour. Parce que tu passais ton temps à nous dépouiller, à escroquer les gens. Tu divises les familles. Combien de personnes j'ai amené à l'église que toi tu as cassé?
À cause de ça, aujourd'hui, même mes soeurs ivoiriennes, on ne se parle pas. Ces filles-là, tu couches avec elles. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu travailles à l'esprit des morts. Je n'ai pas peur de toi, tu me connais. J'ai dit, il y a puissant, donc puissant, tu ne peux rien me faire. Les autres là, ils ne se connaissent pas, voilà pourquoi ils tremblent. Moi là, ils ne tremblent pas. Moi, c'est sans effet. Tu me connais. Je t'ai dit, je te guettais. Je te guettais. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. Tes uns vaut rien, Ezosé Guigilungu. Tes uns vaut rien. Tes uns orgueilleux. Rien du tout. Toi, tu te dis, tu te promènes avec quel ministre? Toi, on a classé ton église comme église des sectes. Tu es sous surveillance là. Toi, tu te promènes avec quel ministre? Qui a envie de partir dans ton église? Dans ton église, on va. Qui a envie de partir dans ton église? Et toi, tu vas dire que la personne qui ose ici au Luxembourg, tu es venu nous trouver ici au Luxembourg. Tu es venu dépouiller les gens ici au Luxembourg. Tu es venu briser les familles ici au Luxembourg. Tu vas dire quoi? Ce qu'ils ont dit là, c'est faux. C'est la vérité. J'étais là. Vous savez, moi, je parle. Quand je suis là, si je ne suis pas là, là je ne parle pas. Ce qu'on a dit, on a dit. Non, 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 je ne parle pas. J'étais témoin oculaire. J'étais témoin oculaire. Le jour que mon mari a dit que tu n'étais pas un vrai pasteur, qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as pas dit que oui, Dieu me changeait la destinée, que Dieu dit que mon mari, là, ce n'est pas mon mari. J'ai fini de faire 20 ans avec le monsieur, Dieu dit que mon mari, là, ce n'est pas mon mari. Simplement parce que quand quelqu'un ne va pas dans, comme on dit, dans ta rangée, il faut que tu détruises les gens. Il y a quelle bénédiction chez vous là-bas? Il y a quelle? Le blanc là, il est venu, ses enfants étaient handicapés là. Tu n'as pas fait croire que tu allais soigner ses enfants. Tu n'as pas ruiné le monsieur jusqu'à il n'a pas tout perdu. Hein? L'autre blanc qui est venu, tu as pris l'étage, comment on dit, de la fille du monsieur. Tu as pris sa Mercedes. La fille n'est pas au tribunal. Le blanc là n'a pas dit qu'il ne va pas laisser faire. Tu peux partir ici au Luxembourg, tu peux ouvrir compte comme tu veux. On dit tu ne travailles pas, d'où vient ton argent? Et toi tu as venu dire que si quelqu'un ose, moi je ose. Moi là seulement je ose. Moi je ose. Parce que moi je n'aime pas l'injustice. Le Portugais, là, ce qu'il a dit, là, c'est pas faux. Vous l'avez volé plus de 30 000 euros. C'est pas faux. Le monsieur était venu avec la maladie. Vous l'avez séduit, tu as mis Lauriane devant. Et il va avoir Lauriane comme femme. Il a commencé à donner. Vous allez commencer à vous foutre de lui. Hein? Toi, Lauriane, là, vous faites vos mêmes escroqueries, là. Hein? On vous avance où? Depuis 20 ans, Lauriane va se marier. Pourquoi dans le monde spirituel, elle est mariée, puis ici, elle n'est pas mariée? Vous pensez, toi tu venais chez les gens tous les lundis. Tu ne mangeais pas, tu buvais de l'eau. Quand tu partais dans les toilettes de tous tes enfants, tu attachais les vies. Hein? Toi, tu ne nous faisais pas croire qu'il n'y a que nous seulement on allait partir au ciel, que tout le reste allait partir en enfer. Pourquoi c'est qu'on est dans ton église, on a peur de fréquenter les autres? Toi, tu as venu dire que oui, celui qui ose. Moi, je ose. Moi, je ose. Même Jésus, on l'a insulté, il n'a jamais pris quelqu'un par le tribunal. Toi, maintenant, tu es rentré dans l'histoire du tribunal, tu es rentré dans l'histoire des hommes. Essaye de m'amener au tribunal. Essaye seulement de m'amener au tribunal. On va s'amener au tribunal, Ezosé. On va s'amener au tribunal. Assez, c'est assez. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et le propriétaire, c'est Dieu. Et je dis, je suis une kamikaze de Dieu. Quand il s'agit de parler de Dieu, je parle. Tu peux rien me faire. Toi, tu as quelle puissance? Tu as la puissance de Satan? La puissance de Satan, même ton papa Satan t'a pas lâché. Satan il peut faire quelque chose si Dieu même ne lui accorde pas. Vous êtes en train de venir enseigner les enfants de Dieu, tu es là en train de jouer le beau. Quel beau! J'ai dit de toi, tu es minable. Je le dis et je le redis, tu es minable. Quand je suis venu, au lieu de me prêcher la parole, tu vas me prêcher richesse. J'ai connu d'abord avant de venir. Donc quand je te regardais, pour moi, tu étais un goujat. Je le dis et je le redis. C'est parce que tu as osé faire la vidéo. Et puis il n'y a que dans ton église seulement que tu peux faire tes vidéos là et tu vas parler. En dehors de ça là, si ce n'est pas dans ton église, toi tu règnes là. Ici au Luxembourg, tu règnes quelque part. Quand on te voit, c'est pas, on ne t'appelle pas l'arnaqueur. Ce n'est pas dans ton église seulement que vous tremblez. Tous qui étaient dans ton église, quand on est parti, qu'est-ce que tu as dit? Toi, tu n'as pas dit aux gens que moi j'allais croiser un sidatique?
Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as pas... Toute personne qui va dans ton église, quand il sort, tu gardes son nom. Tu n'as que l'esprit de division. Regarde ta femme comme elle a grossi. À chaque fois que toi, tu fais... Baninga, tengwe kokie. La fille bien est au long de la vie. Mon côté, quoi quoi. Voilà. Laissez partir mon peuple. Moi, je crois que avant de faire des kilomètres, pasteur, cher pasteur, commencez d'abord au Luxembourg. Bandakuna, après, tu peux faire des kilomètres. Parce que tu peux faire des kilomètres pour rien. Je crois que vous avez senti comment la sœur Patricia déclenche des choses. Elle a une rage inexplicable. C'est grave pour toi. Ok. Il y a un besoin de chez. D'ici là, portez-vous bien. Et restez connectés na Tolobé la vie. Benga biso. Togo yambayo. Togo solola. D'ici là, portez-vous bien et restez vraiment connectés na Tolobé la vie de Tolobaka. Dans deux semaines, pas plus. Yo mema bouye, mi soupe toko mema bouye. Mais dans deux semaines, on va frapper. Baninga tengwe kokie. Papi gene tolo de la vie. Mon côté, kwensi kweo, tolo de la vie. Mwa balo binini. Papi gene tolo de la vie. Veux dire, tolo de la vie. Tolo de la vie.